Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre vidéo préférée, le journal créatif de la semaine. Nous sommes au numéro 60 avec Fifi qui est venue dire bonjour. Tu dis bonjour? Tu fais un bisou? Non? Pas de bisou. Alors, d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie tous. J'espère que vous vous plaisez sur ma chaîne. Alors, le journal créatif de la semaine, bon, je le dis tout le temps, mais c'est surtout pour les nouveaux. C'est une récap de tout ce que... de tout ce que j'aurais pu faire sur la semaine, donc en broderie, tricot, crochet ou tout autre loisir. De temps en temps, il y a du coloriage, voilà. Il y a un moment, il y avait du DP. Je reviendrai sur le DP. Je dois terminer mon dernier DP. Je l'ai toujours pas fini. Et puis, je dois en faire un autre également. Voilà. Alors, chaque semaine, vous savez que je tourne la roue pour savoir ce que je veux faire pendant la semaine au niveau des broderies. Mais ce mois-ci, nous sommes au mois de septembre. Et du coup, septembre, le gang des Suédois, j'allais dire... Il y aura peut-être un jour un gang des Suédoises, pourquoi pas. Le gang des Québécoises, pardon. Et moi, nous faisons le September Sampler. C'est-à-dire que nous brodons tout ce qu'on a en sampler, quaker, patchwork. Et d'ailleurs, ça se termine cette semaine, voilà. Il nous reste quoi? On est le 28, 29, ben, il nous reste 2 jours. dans le tirage de la roue, avant le tirage de la roue, je mettais d'office du coup ces broderies là. Et donc il y avait mon Long Dog Sampler, c'est-à-dire le Two Mains Maurice, le Sampler 124 que je fais avec Sonia, les Floralies de Jardin Privé, mon Caroline Menning, mes pans royaux d'Old Forest et mon Autumn Quaker. Et il y avait également le Patchwork Quaker, mais j'avais oublié de le mettre, mais voilà, je sais qu'il y était. Au niveau de la roue, j'avais tiré au sort mes ours de Noël d'Old Forest, la salle que j'organise sur mon groupe, et d'ailleurs ce salle se termine du coup dans 2 jours. Les colibris de Poussière d'Étoiles, l'orchidée de Lanart, l'aquarium de Lucas, les hérons de Luc, ah ça y est, j'ai oublié, les hérons de Lanart, voilà, excusez-moi, mon Alice au pays des merveilles de Old Forest, c'est également un salle que j'organise sur mon groupe. Et j'avais également mon duo Lily Point avec Céline. Et je devais terminer également, c'est un trio que l'on fait, mais moi je suis hyper, hyper, hyper en retard. C'est-à-dire que je suis toujours sur le premier, c'est la confiture. Et bah les filles, donc Isa et Armel, donc je pense qu'Armel a terminé aussi, ont déjà terminé le deuxième. C'était sur les œufs, deuxième. Bon. Là, je vais terminer la confiture. Je vais attaquer le troisième. Je crois qu'on a choisi, enfin, elles ont choisi la broderie sur le pain, si je ne me trompe pas. Donc je vais passer sur celle-là et je referai les œufs, mais entre deux pour rattraper un petit peu mon retard.
Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense pas en avoir oublié. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai brodé. Alors, dimanche, j'ai pas brodé. Je sais plus pourquoi, mais dimanche, j'ai pas brodé. J'ai fait du crochet en montant la vidéo. Et ah, si, j'ai fait un petit peu. Ah, je ne l'ai pas pris, je vais aller le chercher après. Et j'ai fait un petit peu d'estampé sur la broderie des cerfs, du cerf. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait donc dimanche. Je ne sais plus pourquoi je n'ai pas fait. Ah, si, ça y est. Dimanche, on a profité qu'il faisait à peu près beau. Et on est allé sur le marché de Boussu en Belgique. On y va de temps en temps. Ben on y va pour aller le dimanche à la boulangerie en Belgique et puis prendre des gâteaux, parce qu'ils ont des bons gros gâteaux. Les gâteaux en Belgique sont très bons. Et on en profite toujours pour aller sur notre stand préféré de Diamond Painting, donc de la boutique Fonmania. Et donc on avait été chercher deux DP. D'ailleurs, vous avez dû voir la vidéo, je l'avais mis en ligne lundi où je présentais les DP que l'on avait achetés. Voilà. Donc c'est pour ça que bah, du coup dimanche ça a été décalé parce que après il a fallu faire le montage de la vidéo et tout et voilà donc ça a été un peu plus compliqué. Je vais tout de suite chercher mon estampé et je suis là. Voilà. Alors mon cerf. Hop, je vais manger le fil. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait tout le bleu marine ici pour la nervure de la feuille et j'ai avancé encore la feuille. Voilà. Donc derrière, vous voyez mieux ce que j'ai fait en tout. Bon, il n'avance pas très 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 vite, hein, mais voilà. Donc celui-là, j'aime bien le faire celui-là. Il est agréable à faire parce que c'est que du bloc. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors il n'y a que cette couleur-là que je ne fais pas maintenant, ce qui est en vert. Parce que ce qui est en vert, c'est blanc. C'est une couleur blanche. Donc ça, je vais le faire en dernier pour ne pas salir les fils. Parce que sinon, à force de manipuler, ben, on salit les fils. Et j'aurais trop peur de faire des taches. Donc voilà. Mais il y a encore du taf hein, dessus, de toute façon. Bon, là, il n'est pas déroulé. Mais il y a encore. Je vais vous le dérouler. Voyez, il y a encore. De quoi faire. J'en ai encore pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais ça va. J'aime bien. Hop, voilà. Donc j'ai fait plus ou moins 250 croix dessus. Voilà. J'ai aussi, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai également mon challenge que je fais perso, c'est-à-dire de faire au moins 3000 croix par semaine. Donc, on verra à la fin de la présentation de mes broderies si j'ai réussi à faire mes 3000 croix ou pas. Alors, désolée, je suis habillée un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, pas plus que d'habitude.
Mais j'ai froid. Il fait très froid aujourd'hui et du coup j'ai remis quelques couches. D'ailleurs, ça c'est un gilet que j'avais fait. Alors je l'avais terminé quand celui-là? Cette année, je crois. Je sais plus. Enfin, bon, il faut que je lui passe le. Comment? Le rasoir. J'ai un rasoir pour mes pulls qui va super bien. C'est un Philips. Il faut que je lui passe un coup de rasoir parce que ça bouloche. Vous voyez, regardez. Donc, mais bon. Donc, ça, c'était un modèle Filda. C'était le pull diamant, si je me trompe pas. Ouais, le gilet diamant. Qui se faisait avec deux fils, deux couleurs différentes. Voilà. J'aimais bien, il est bien chaud. Donc voilà. Alors maintenant, alors bon, je vais prendre en suivant. Alors je ne sors plus ma malle que sinon je dois fouiller. Ce que je fais maintenant, quand donc j'ai toutes mes broderies commencées dans une malle, une grande malle en tissu. Mais maintenant, pour m'y retrouver, surtout pour la vidéo, dès que j'ai fait une broderie dans la semaine, je la remets pas dans la malle, je la mets au-dessus de la malle. Alors, comme ça, bah, je sais tout de suite ce que j'ai brodé sur la semaine et c'est plus facile pour m'y retrouver. Il n'y a que les grandes broderies qui, elles, restent dans les grands sacs. Mais bon, là, ça va. Je sais tout de suite trouver mes broderies. Alors. Bah, c'est celle-là. Alors, bah, celle-là, je l'ai fait toujours. Ouais, du coup, ça va repartir en arrière. Ah, bien sûr, j'ai fait des bêtises. Ça commence. J'ai coincé mon fil dans la fermeture éclair. Voilà. Ah. Zut. Bon, ben là, il n'y a pas. Faut que je coupe. Gaston Lagaffe. Vous connaissez Gaston Lagaffe? Ben, c'est moi. Voilà. Je perds un petit peu de fil, mais regardez-moi ça. Gardez le travail. Voilà, ça y est. Enfin, presque. Voilà. Bon, bah, du coup, j'ai perdu du fil. Tant pis. Alors, aujourd'hui, alors, je vais essayer. J'ai voulu préparer tout à l'heure mes photos pour la vidéo. Je regarderai demain ce qui c'est. Je ne retrouve pas mes photos des avancées. Vous savez ce que j'ai fait avant et donc, mais bon, je sais pas. Je regarderai. Je vais sûrement les trouver ailleurs. Ça s'est mis, je sais pas où. Donc ça, c'est... Alors, c'est ce que j'ai la photo, oui. L'aquarium de Lucas. Voilà. Alors, c'est un modèle qui a 57 couleurs. Il n'est pas très grand. Terminé, normalement, il fait 25 sur 26 cm. Et là, je le brode sur une toile Aïda Zegart quadrillée. Voilà, c'est une Aïda 6-3, donc 16 CT. Et je ne fais que du point de croix dessus et il y aura un petit peu de point arrière. Voilà, du point arrière un fil et du point arrière deux fils. Voilà. Voilà. Où j'en suis. Bon, il n'a pas
beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé, hein, mais voilà où j'en suis. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait toute cette partie ici, toute cette partie ici. Donc, j'ai fait deux couleurs, enfin, principalement une, le 939. Enfin, c'est ce qui ressemble au 939, puisque là, en UKS, on n'a pas les... On n'a pas les références, hein. Non, je crois pas. J'ai un doute. Non, je n'ai pas les références DMC. C'est les références de chez l'UKS. Voilà. Et dedans, là, il y a un bleu un tout petit peu plus clair. Voilà. Il est très joli. Alors, quand j'ai le nez dessus comme ça, j'ai pas le même rendu. Là, il est vrai, j'aime beaucoup. Bon, là, j'aime beaucoup aussi quand je regarde, hein, mais on n'a pas le même le même rendu. Alors, j'ai fait plus ou moins 350 croix dessus. Donc bon, j'ai bien avancé quand même. Hein. Donc là, il y aura la tête d'un autre poisson ici. Là. Et après, il y en aura un. Alors attendez, je suis là. Non, là, après, il va y avoir le reste de son corps, sa queue. Et il y aura un autre poisson ici. Voilà. Et après, il y en aura un là, près de sa queue. Et le dernier, il sera ici quelque part. Oh, ça y est, j'ai les yeux qui piquent. Donc voilà pour mon aquarium. J'ai même des fils qui s'effilochent de la pochette. Hop, voilà. Allez, on va le mettre par terre. Aujourd'hui, j'ai fait également... Alors, je vous montre la photo. Voilà, c'est un lanart. Donc, c'est une branche d'orchidée. Voilà. Alors, celui-là, est-ce que j'ai la taille? Oui, c'est un petit également. Il fera 17 sur 23 cm. Le tissu, c'est un 10,5 fil. C'est en étamine. Alors le nom de couleur, je ne l'ai pas là. Non, je n'ai pas le nom de couleur. Mais... Ah ben je l'ai là, c'est vrai. Les couleurs, puisque je les avais mis sur un trifil de poussière d'étoile. Donc j'ai 19 couleurs. Voilà. Alors, hop. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai travaillé ce pétale, ici aussi un petit peu. Là, alors, on travaille avec du 3 fils sur ce modèle. C'est 3 fils et j'ai des parties qui vont se faire en un fil, comme là, ici. Ça, c'est un fil. On en retrouve un tout petit peu là également, et après ça va redescendre ici. Sinon, là, tout est fait en 3 fils. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, c'est ça. J'ai fait ce pétale ici, le pétale qui est ici.
Alors, par contre, là, vous voyez, j'ai un fil qui pendouille. Je me suis aperçue que cette partie-là, la blanche, il y a une erreur dedans qui me décale. Ça me décale carrément d'une ligne. Donc, je l'ai laissé comme ça et ça, je vais le retirer et je le referai. Voilà. Alors, comme je n'avais pas envie de démonter aujourd'hui, je suis repartie de l'autre côté et j'ai fait mon pétale qui est là. Voilà. Mais il est très joli. Très sympa à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est un modèle qui n'est pas très grand, hein, donc il faudrait que je me mette dessus une bonne fois pour toutes pour qu'il avance, qu'il se termine rapidement. Là, il me reste, enfin, il me reste, je suis au début. Je suis sur cette fleur-là, voilà, je suis sur celle-là. Et donc, alors, ouais, ça, ça fait partie de la tige. Voilà, ouais, non, mais voilà. Si je m'y mettais une bonne fois pour toutes, ça irait très vite. Alors, il y a un petit peu au fond à broder. Bon, on ne le voit pas beaucoup là. Mais il y a une phrase. Alors, je crois qu'elle est en anglais ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on ne la voit pas énormément. Mais... Alors, ici, alors par contre, ça n'a pas l'air. Mais c'est à la chanson. Non, on dirait pas, mais j'ai quand même fait plus ou moins 500 croix dessus aujourd'hui. Voilà. Désolée, hein, ça fait des... La couleur change sur mon téléphone. Voilà, là vous voyez bien la couleur de la toile. Et l'extérieur de... Bon, regardez pas mon arrière, hein, il est complètement pourri. Vous voyez, l'extérieur est blanc. Donc ça, c'est la couleur de la toile qui est là. C'est une toile imprimée. J'ai les fils. Voilà. Hop. Ensuite, alors je vais cocher ce que je vous ai déjà montré. Voilà. Ensuite. Oui. Donc, la roue m'avait tiré au sort les hérons. Donc, 2 semaines de suite. Hein. Là, j'ai pas le dessin. Non, j'ai pas le dessin avec moi là. Je vous le remettrai à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est mes hérons de chez Lanart. Donc j'ai terminé sa tête. Ici, sa tête est terminée. Voilà. Et j'ai continué de la demi-croix. C'est ce qui fait le fond. Donc là, il me reste un petit bout là sur sa tête ici à l'arrière à finir. Et après, je vais pouvoir. Alors, soit je ne sais pas si je vais descendre ou si je vais monter. Je verrai. Du coup, je bougerai ma toile de mon tambour, bien sûr. Mais je ne sais pas encore. Si je descends ou si je fais en haut. J'aurais bien. Puis bon, il y a aussi le côté de toute façon. Mais je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment tip-top, hein. Alors, mes hérons. Alors, mes hérons, j'ai fait 300 croix en croix entière et j'ai fait 300 demi-croix. Voilà.
voyez les demi-croix qui sont là. Alors, les hérons, c'est fait. Celle-là, elle fait partie des grandes, donc je vous la montrerai après. Celle-là, elle est où? Ah, elle est là. Mon long dog sampler, donc le Toumens Maurice, c'est ce modèle là. Voilà. Donc je le fais en. Alors, comment on va dire? Trio, quattro, on est à quatre. Donc il y a Geneviève. Alors attendez, je regarde pour pas me tromper. Oui, il y a Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Il y a Amélie de la chaîne Dazing et Diamant et Sonia de la chaîne Diamant Rose qu'il fait avec moi. On n'a pas d'objectif, on avance. Voilà, tout simplement. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai travaillé ici. Voilà, toute cette partie-là. Et cette partie ici. Alors, que je vous explique un truc. Vous savez que je suis... je suis désolée, j'ai mal à la tête. Que moi, il y a toujours des erreurs dans mes ouvrages. Il y a toujours des erreurs. Là, il y en avait une. J'avais déjà vu hein, la fois dernière qu'il y en avait une. Mais je n'avais pas trouvé où elle était. Donc, j'avais continué à broder. Et puis, je voyais que ça ne me gênait pas plus que ça. Bon, il y avait juste un tout petit décalage. Mais là, en brodant cette semaine, j'ai vu où était mon erreur. Donc, mon erreur, elle est ici. Voilà. Bah, il me manque une ligne. Enfin, une ligne. Il me manque une croix. Et du coup, ça m'a juste un tout petit peu décalé. Bon, là, ça m'avait décalé un peu, mais ça ne se voit pas. Vous voyez, mon rond, il est bien rond, hein. Et ça m'avait décalé un peu ici. Donc, j'ai bidouillé. Voilà, j'ai un peu bidouillé. Et ça ne se voit pas. Voilà. Il n'y a rien qui gêne. Voilà. Ouais, je n'avais pas... Pour une croix, il aurait fallu que je démonte toute la licorne ici. Et la moitié du rond. Alors, je vous assure que je m'en sentais vraiment pas capable. J'ai dit non, c'est bon, ça restera comme ça. Et voilà. Alors, je vous montre les couleurs. Je le brode, je vous le dis à chaque fois, mais c'est quand je répète, c'est parce que c'est surtout pour les nouveaux. J'ai mis où mon fil? Ah mince, j'ai pas mon fil. J'ai mis où ma bobine? Je sais pas. Bon, tant pis. Je regarderai. Donc, c'est fait avec un fil multicolore DMC, nuit canadienne. Voilà. Multicolore, hein, pas variation. Donc, vous voyez, on voit des reflets. Donc, il y a des reflets violets, il y a des reflets gris foncé, marron, plus clair, plus foncé. Voilà, il est vraiment très, très beau. Là, il faudra que je regarde où j'ai mis ma...
J'ai dû la poser là-bas. Et du coup, j'ai oublié de la remettre dedans. C'est pas grave. Alors, celle-là, je vous ai pas dit. Celle-ci. Elle est là. J'ai fait 300 croix. Je suis arrivée à 3173 croix. Et ça me fait 8,07%. Voilà. Ça avance. Ensuite, oui, il manque Caroline Melling. Voilà. Alors, Caroline Melling, c'est ce modèle-là, le Garden Gift. Voilà. Et alors, attendez, j'ai des fils un peu dans tous les sens. Il est bientôt fini. Voilà, il est bientôt terminé. J'ai fait toute cette partie-là. Voilà. J'ai rebrodé. Là dedans, il y avait des choses qui n'étaient pas brodées. Là, j'ai brodé, voilà. Donc là, tout le bas ici est terminé, hein, comme ça, là ici. Et là, bien sûr, le milieu également. Et je vous montre les couleurs. Voilà. Il est trop trop beau. Alors celui-là, je le fais en duo avec Armel. Je sais pas si elle m'a, si elle a mis la semaine dernière, elle l'avait pas mis. Ça, je sais. Alors attendez, où est-ce que je vous trouve? Rien parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma tablette. Et si quelqu'un veut mon mal de tête, je lui donne avec grand plaisir. non, c'est pas ça. Allez, ouvre-toi. Elle est longue, de plus en plus longue ma tablette. J'ai une frousse, c'est qu'elle tombe en panne. Il faudrait que je la nettoie un bon coup. Là. Photo. Et je vais regarder si elle avait mis la photo. Excusez-moi, hein, j'aurais dû le préparer avant, j'ai pas pensé. Non, ça c'est le mien. Bon, mais je le trouve pas. Bon, c'est pas très grave. Alors j'ai une abonnée sur mon groupe qui le fait également, qui s'appelle Denise. Mais là, elle a eu un souci. La grille qu'elle avait n'était pas bonne. Je ne sais pas comment ça se fait. Du coup, la pauvre, elle va devoir démonter une grosse partie de son ouvrage. Bon, ben, je suis désolée, je ne le trouve pas. Non, mais c'est pas grave. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Voilà. Donc, moi, il est presque terminé. Hein. Là, j'ai fait 260 croix. J'en suis à 5208. Voilà. En sachant que moi, je ne brode pas le fond. Je vais laisser comme ça. Le fond, il est en blanc cassé, à 33-65. Mais moi je le fais pas, voilà,
trouve que ça fait trop lourd. Donc je vais laisser comme ça pour que ce soit un peu plus léger. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ah, alors, je vous avais dit que je faisais d'autres challenges hein, pour d'autres challenges perso sur deux broderies. Ce mal de tête, c'est pas possible. J'ai pris un Doliprane, mais ça veut pas. Bon, j'ai pas encore tout rattrapé, mais je peux encore gagner mon challenge. Attendez, j'ai ma toile qui a bougé. Voilà. C'est mon salle Alice au pays des merveilles. Voilà ce que j'organise sur mon groupe. Je devais terminer ici. Alors, il me restait la frise à terminer, donc c'est chose faite. J'ai alors là, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, elle est faite à moitié. Donc ça, c'est la frise. Là, c'est l'étape du mois de septembre. Moi, j'étais en retard sur l'étape du mois d'août. Et là, j'ai commencé celle de septembre. Mais alors, ça, c'est une chaussette. Vous voyez, bon, je peux vous montrer. De toute façon, c'est un modèle gratuit. Vous voyez, hop. Donc, c'est la chaussette, on va dire. Mais ça a été long. Mais ça a été long à faire. Oh, alors, étonnamment, je ne me suis pas trompée. Mais ça a été long, long, long à faire. Comme je ne voulais pas me tromper, j'ai pris mon temps. Mais quand même, cette chaussette a été très longue à faire. Donc là, bah, du coup, j'ai pas fini. Bon, j'arriverai pas à le finir en 2 jours, hein, je vous le dis déjà. Mais voilà, il me reste donc la frise à terminer, à faire sa chaussure, à faire le bitonio, là, je ne sais pas ce que c'est, faire la souris avec Alice dans l'eau, et la frise de fleurs qui est là, et le petit cœur. Mais bon, on va dire que j'ai quand même rattrapé un peu de mon retard. J'ai rattrapé un peu. Et le plus dur sur cette partie-là est fait. Cette fameuse chaussette qui était... J'en pouvais plus. J'ai dit, mais je vais pas arrêter de me tromper. Non, je ne me suis pas trompée. Ça a été. Mais oh, c'est une horreur cette partie. Alice, j'ai quand même bien brodé dessus. Mais je l'ai faite quand? Je l'ai faite mercredi. Et je n'ai fait que celle-là. J'ai dit, je vais rester sur celle-là toute la journée. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai fait... ça sans croix. Voilà, j'ai fait ça sans croix. Mais bon, j'ai pas réussi encore à terminer mon étape de septembre. Et là, je vous dis, c'est chaud. Ça va être chaud pour que je la termine en 2 jours. Ou alors, il faudrait que je fasse que ça. Mais ça va être très, très chaud pour le terminer. Bon, on verra bien. Ensuite, ensuite.
mon duo avec Céline. Voilà. Alors, Céline. Je vais vous montrer la photo sur la tablette parce que comme ça, enfin, si je l'ai, comme ça, si je ne retrouve pas les images, voilà. Alors, c'est Céline et moi, oh là, j'ai pas piqué mon aiguille. Céline et moi, on fait un duo sur un modèle Lily Point. On a chacune notre modèle. Mais c'est toutes les deux sur le thème du chat. Voilà où j'en suis. Il avance super bien. Donc là, je suis arrivée en bas. Là, il n'y a plus rien à broder. Là, je suis en bas. Donc, la prochaine fois, je vais rebouger ma toile. Là, j'ai brodé... Alors, ça, ici. Là, jusque-là. La petite patoune, voilà. Et donc du coup pour l'instant ça dit petit endroit qu'il appréciera, donc le début on l'a pas. Thérapie, tendez l'oreille et délectez-vous des ronronnements qui s'échappent de votre félin, détendez-vous et laisser la magie opérer. Voilà. Donc là, je vais, j'ai aussi avancé un petit peu le chat. Voilà, j'ai fait quelques rangs sur le chat. Donc voilà. Donc là, il faudrait que je termine le chat qui va être ici. Et après, bah, j'attaque le reste en haut. Et pour ce qui est de Céline, voilà le sien. Voilà où elle en est. Il est très chouette aussi. Oh, excusez-moi, hein, c'est pas possible ça. Donc, elle me disait qu'elle avançait pas beaucoup, mais bon, moi, je trouve qu'elle a déjà bien avancé. Là, je pense qu'elle a terminé le bas également, comme moi. Et donc, moi, je vais terminer le chat et après... oh là là, mes yeux, c'est une horreur. Et après, j'attaque les phrases du haut. Voilà. Donc, je ne sais pas encore combien de temps on va mettre pour terminer, mais il devrait être... De toute façon, il sera fini avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Excusez-moi, je vais juste frotter mes yeux avec un mouchoir et je reviens tout de suite. Voilà, désolée. Du coup, j'ai les yeux tout rouges. Celui-là, il est où? Il est là. Donc, j'ai fait plus ou moins 250 croix pour celui-là. Hop. Ah, bah, c'est le dernier petit. Je sais pas si on va faire les 2 heures aujourd'hui. on va essayer hein, de tirer au maximum, mais je sais pas. Celui-ci, c'est ma broderie du lundi. Alors, je vous rappelle, ma broderie du lundi, les broderies que je tire au sort pour ma semaine, j'en tire une au sort. Et puis, je fais celle-là toute la journée. Voilà, je travaille sur celle-là toute la journée. Et j'essaye d'avancer un maximum. Alors, celle-ci, c'est pareil, elle était dans mon petit challenge perso pour que je la termine ce mois-ci. Il reste 2 jours. Donc, il reste 2 jours. Non, en plus, attendez. Si, 2 jours. Oui, c'est bien ce que je dis. Attendez, mon calendrier, il est où? Là. On est le 28.
à l'heure où je vous parle. Donc là, dimanche 29, lundi 30. Ouais, il me reste 2 jours, c'est bien ce que je dis. Eh bien, écoutez, on va essayer de le finir sur les 2 jours. Parce que je ne l'ai pas terminé encore. Mais j'ai avancé. Donc, elle a ses petites patounes, le début de son tablier, ses petites poches, voilà. Alors, celui-là, je pense que je vais le mettre sur mon bureau demain pendant que je ferai le montage de la vidéo. Et en avant Guingamp. Voilà, je veux absolument le terminer avant le 30 septembre, minuit. bon, je ne vais pas broder à minuit, hein, mais. Je veux absolument qu'elle soit finie pour lundi soir. Donc, on va essayer de faire ça au max. Ça ferait déjà une broderie en moins. Voilà. Donc, celle-là, elle est sur sa dernière étape. Et voilà. Il y a eu la frise aussi, là. Donc, là, il y a la frise à terminer. Mais bon, ça devrait aller. Il me reste un sapin à faire là. Il manque un sapin. Et là, il manque une frise, je crois. Il manque. Je ne sais plus. J'ai pas le modèle complet. Ah, si, 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 j'ai le modèle. Je ne voulais pas montrer. Je vous le montre. Voilà, c'est celui-là. Et donc, ouais, il me reste un sapin à faire. Ah ben, un sapin. Et en haut, il me reste 2 flocons. 2 flocons. Ouais, il me reste 2 flocons à faire en haut. Voilà, comme ça, là. Vous voyez? Un, deux, et deux bitonio comme ça, là. Et donc, la maman ours, il me reste donc à faire ben, quand même tout son corsage, sa tête et l'arche de fleurs, voilà, et remplir la jupe. Donc, si je m'y mets, ben, je peux. Ouais, si on. Allez, en 2 jours, il faut que je l'ai terminé. Donc, peut-être que dimanche, si je ne fais que ça dimanche, elle pourrait peut-être être terminée. Alors, on est où? Celle-là, je vous l'ai montrée. Et la broderie ours, je vous l'ai montrée. Et donc, sur ma broderie ours, j'ai fait plus ou moins 600 croix. Voilà, on dirait pas, mais il y a quand même plus ou moins 600 croix de fait dessus. Je me range les petites broderies et je vous montre les grandes. Alors, les grandes, il y en a une. Bah, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux à vous montrer. Voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà. Du coup, il y a eu la petite pause pipi des poilus, d'un des poilus en même temps. Alors. Oh, Is. Mon grand sac. Bah, je vais vous montrer celui-là. Non, toi, tu sors pas. Voilà. Ici, c'est mon sampler 124. Que je fais en duo
avec Sonia. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, je suis toujours sur mon étamine, hein, bleu canard. Donc, on est en train de faire la grande case qui est ici. Enfin, c'est une double case avec une frise. Et on fait 300 croix par semaine, pas une de plus, pas une de moins. Et ça va, on arrive à s'y tenir, il n'y a pas de souci. Ça va assez vite hein, à faire. Donc, on le brode toutes les deux en fil étoile. Moi, je le brode avec du. Alors, ben, j'ai les références là. Du bleu marine C823, du turquoise C995 et du jaune C725. Voilà. Donc le jaune, vous voyez, c'est pour faire mes encadrements de cases. Et après, je mélange le bleu marine et le turquoise. Voilà. On en est à quoi? Donc on a fait 300 croix. On en est à 5424 croix de fait, soit 13,89%. Je vous remets à côté en image la version de Sonia. Voilà. Elle le fait sur une étamine couleur rubis et elle le fait avec un gris très très clair, toujours en fil étoile. Voilà. J'aime beaucoup, il est très agréable à faire. Bon, on a commencé par la plus grande partie. Normalement, c'était la. Enfin, on a deux cases qui sont grandes. Mais je crois que celle-là, c'est vraiment la plus grande. Et du coup, maintenant, on est sur les petites cases. Alors, j'ai une abonnée qui le fait également. À l'occasion, si tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer la photo de là où tu en es. Parce qu'elle a commencé après nous. Mais elle va. Elle rattrape pour faire comme nous. Les cases, moi, je les tire au sort avec la roue. Alors, une fois que c'est terminé, une fois que là, il y a une case terminée, je fais un tirage au sort pour savoir laquelle on va broder ensuite. Donc, après, ce sera peut-être là, ce sera peut-être là, au-dessus, ou là, on verra, ce sera le tirage au sort qui nous le dira. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Hop. Alors, la deuxième est dans l'autre sac. Donc tout ce qui est sampler Quaker, ça faisait partie de notre challenge September Sampler, hein, bien sûr. Allez, viens là, toi. Hop, 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 hop. Et voilà, mes pans royaux. Donc c'est un modèle de chez All Forest, c'est un modèle payant, mais vous pouvez l'avoir en PDF. Je ne sais plus combien j'avais payé, 8 euros, je crois. Voilà. Alors, j'ai brodé. Alors, ça n'a pas l'air, elle n'a pas l'air très grande cette partie-là, mais j'ai quand même brodé 300 croix. Et donc, ici, les deux frises, je les avais fait en fil étoile. C'est du 550. Et le reste, c'est fait en 550, mais coton mouliné.
Là, c'est du filet toile. Et ici, donc, j'ai repris en coton, coton mouliné 550. Bon, il faut le voir en vrai pour voir la différence entre les deux. Parce que là, sur le téléphone, je n'arrive pas trop à vous montrer que c'est brillant. Mais croyez-moi, sur parole, oh, bon, qui a envie de m'embrasser? Levez la main. c'est brillant. Donc voilà. Donc là, il y a comme une grosse fleur ici qui va venir. Alors, je vais peut-être mettre du fil étoile dedans. Je vais voir. C'est vrai que je vois au fur et à mesure là où je veux en mettre. Mais on verra. On verra comment je ferai. Mais c'est pareil. Je l'aime beaucoup. Elle avance bien. Pareil, c'est fait sur une toile étamine. Hein, comme toutes mes... Les 90% de mes toiles, c'est de l'étamine. Et celle-là, c'est une rose, donc c'est une vintage rose. Vous voyez, c'est marbré. Elle est vraiment très jolie. Celle-ci, donc j'ai fait 300 croix. En tout, j'ai déjà brodé 7170 croix. Et je suis à 22,34%. Voilà. Bon, il me reste un peu plus de 75% à broder. Hein, mais ça avance. Enfin, je vous jure, ça m'énerve ce changement de couleur dans le téléphone. Mais voilà. Elle est très jolie. Donc là, il y a un pan hein, qui va venir là. Ça, c'est sa queue. Non, j'aime vraiment beaucoup aussi ce modèle. Alors, on m'a posé la question de ma maison météo. Bon, là, je suis définitivement en retard. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à la reprendre en ce moment. J'arrive pas à me remettre dessus. Ça va revenir, hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'arrive pas à me remettre sur ma maison météo. Mais bon, du coup, là, j'ai du retard dessus de un mois, je crois. Ouais, on va avoir un mois de retard, mais bon, ça se rattrapera vite. Puisque c'est juste les fenêtres et les petites fenêtres, donc il y a quoi 16-20 points par carreau de fenêtre. Donc il y a sur une fenêtre, il y en a 7. Donc ça ira quand même assez vite à rattraper. Mais il faut que je me remette dessus. Mais je ne suis pas motivée pour la faire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est pas grave. Alors, le deuxième dormait. Donc, il n'a pas été faire son petit pipi. Et maintenant, devinez qui est debout. Qui va aller faire son pipi? Pacha. Pipi? Eh ben oui. Allez. J'arrive. Voilà. oui, donc je vous disais, donc je vous ai montré, ça c'est bon, mon challenge. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, mon challenge c'est un petit challenge perso, je me prévois de faire 3000 croix par semaine. Et on voit donc à la fin si j'ai réussi ou pas. Je suis cette semaine à 3520 croix. Voilà. Donc, c'est très, très bien. Alors, bon, il restera quand même 2 jours. Mais, c'est pas très grave.
Alors, j'ai fait en tout. Hop. Pour ce mois-ci. Donc, en sachant qu'il me restera 2 jours de broderie. Attendez, je fais une bêtise. Voilà. Non. Je fais une bêtise. Voilà. Ça y est, c'est bon. J'y suis. Il est tard. Hein. Le cerveau arrive à un moment, il fonctionne moins bien. Alors, ben, je suis presque, pour ce mois-ci, presque 12 000 croix. Voilà, je suis à 11 940. Et en sachant qu'il reste 2 jours à broder. Donc, voilà, bon, je devrais être à... Là, je suis à, bon, on va dire, arrondir à 12 000. Je serais peut-être à 12 500 ou 13 000. On verra. Mais là, je suis à 11 940. Je me le note comme ça, je le sais. Le mois dernier, j'étais à... Combien j'étais le mois dernier? Ah ouais, j'ai quand même... J'ai quand même beaucoup moins brodé que le mois dernier. Au mois d'août, j'avais brodé 20 691 croix. Et là, je vous dis, je suis à 12 000. Donc, ça fait... Il y a une différence de 8 691 croix. J'ai moins bossé hein, ce mois-ci. Ouh là là, c'est pas bien. Bon. C'est pas une compétition, hein, je vous rassure. Mais j'aime bien savoir à peu près ce que j'ai fait sur le mois, sur la semaine, sur la journée. J'aime bien savoir et donc voilà. Alors, ensuite. Après, on va faire la roue avant que je n'ai plus de batterie. Ou alors, on va la faire tout de suite. Ouais, c'est plus prudent. Parce que je crois que la roue... Ouais, je suis déjà dans le rouge. Alors, on va essayer de faire ça vite. Alors, 7 jours, ça veut dire... Je compte 2 broderies par jour, moins une le lundi. Ça fait 13. 12. Il me faut que je tire au sort 12 broderies pour ma semaine. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah ben le tigre. On commence bien. Le tigre de chez Lucas. Hop. Ah ben, la confiture. Là, ah ben, la maison météo, ah, décidément, il va me tirer au sort tous mes retards. Tant mieux. Tant mieux. Je vous le dis, quand je vous le dis, le tirage au sort est... Alors, les ours de Noël.
La roue est complice. Oh, ma tête. Mes pans royaux. Ah non, celui-là, j'ai oublié de l'enlever. Celui-là, je ne le fais plus. Ouais, je le retire. L'Halloween Quaker. Alors, j'ai Amélie, j'ai vu ton message. Désolée, je n'ai pas encore répondu. Amélie me proposait de faire voyager ma broderie. Et... Ouais, hop. Voilà, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est le Languedoc Sampler. Excusez-moi, en parlant, j'ai oublié de vous montrer la roue qui tournait. Oui, Amélie me propose de faire voyager ma broderie l'Halloween Quaker. Et c'est-à-dire que moi, je l'envoie à quelqu'un. Cette personne le renvoie à une autre personne. Cette personne le renvoie à une autre. Voilà. Et à la fin, quand la broderie est terminée, la dernière personne me renvoie la broderie. Je trouve l'idée superbe de faire voyager ma broderie comme ça. Et en plus, ben, elle sera brodée. Voilà. Et j'aurai un souvenir de tout le monde en même temps. Donc, je trouve l'idée vraiment très sympa. Donc, on va en reparler, Amélie. Mon Caroline Ménine, je vous dis, cette semaine, je sens que je vais finir de la broderie. Tant mieux. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seulement. Ah, mon Fox. Chouette, Mastin Puck. Ah, je suis contente. Alors, en sachant qu'il faut que je... Ah oui, il faut que je rajoute trois broderies dans ma roue. Je vous en parle après. Demeure de charme. Elle n'est pas finie de démonter. C'est commencé, mais c'est pas fini. Bientôt, Amélie. Bientôt, bientôt, bientôt. Nouvel an. Ben, je vous dis, la roue, elle veut que je termine, que je fais tous mes... Ah, là, là. Un, deux, trois. Toutes mes broderies en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 10. Est-ce que je laisse sur 10? Bon, je vais en tirer 2 en plus. Et je verrai, puisqu'il y a des nouvelles qui vont s'intégrer. Ah, le hibou! Oh, ça fait un moment, le hibou. C'est une abonnée qui me l'a offert. Donc là, j'ai dit, je sais plus, j'ai dit 10, donc je suis à 11, mais j'ai la Lily Point aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je rajoute la Lily Point à la main, puisque ça, c'est mon duo. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, je vous disais,
Ben alors, ah, voilà. Je vous disais que j'ai trois broderies à rajouter dans ma tablette. D'ailleurs, je vais me le marquer pour pas oublier. Voilà. Broderie rouge. Voilà. Parce que j'ai le 1er octobre, je commence donc ma nouvelle broderie, enfin mon nouvel achat ED, pardon, bon, c'est pareil, hein. Mon nouvel achat ED avec, donc on le fait en trio, je le fais, j'ai une puce, j'ai une gratte qui me puce, comme j'aime bien dire. C'est le hibou du savoir. Ben, je vais les mettre comme ça, voilà, vous le verrez mieux. C'est celui-là, c'est le HAED, donc de Malcolm Watson. Il n'est plus en vente hein, parce que c'est une édition limitée et donc il était sur le site que pendant un mois. Peut-être que par la suite ils remettront, mais c'était une édition limitée. Et donc, je le brode, je commence à le broder le 1er octobre avec Ludovic et avec Amélie, donc de la chaîne Désigne et Diamants. Alors, exceptionnellement, malgré que c'est un achat ED, je vais le commencer par le milieu parce que j'ai envie de voir tout de suite le hibou. Je vais le commencer exceptionnellement par le milieu. Pour me donner du courage, non, c'est pas du courage, mais voilà, je serais contente de voir du coup le, voyez, le hibou. Donc le milieu est à peu près ici, je crois, voilà. Donc je serais tout de suite dans la tête du hibou, et ça c'est top. Alors, pour l'instant, on s'est dit qu'on ferait 1000 croix par mois. Donc, et on adaptera à plus ou moins. On verra comment ça fonctionne. Bon, en sachant que moi et Amélie, on est hyper multi en cours. Ludovic est beaucoup plus sage, lui. Il est beaucoup, beaucoup plus sage que nous. Donc, il y a plus de temps pour broder. Enfin, nous, on a du temps pour broder, mais c'est pas ça. Mais comme on est multi en cours, on brode un petit bout à chaque fois. Donc là, pour l'instant, on va se faire 1000 croix par mois. Bon, ça nous fait 250 croix par semaine. C'est pas énorme, hein, donc on devrait y arriver. Et on verra donc si on a besoin d'adapter ou pas. De toute façon, je vous ferai une vidéo de mon début. Voilà, comme je fais régulièrement. Je vous ferai une vidéo de mon début. Et puis, ben, toutes les semaines, vous verrez l'avancée de ce hibou du savoir. Et donc, j'ai d'autres. Je vais mettre en route. Alors, il faut que je voie ça avec Letty de la chaîne Les loisirs de Letty, si je me trompe pas. Je me suis fait un pense-bête hein, parce que des loisirs de Letty, voilà. On va se faire. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ouf, 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 ouf. Les Old Forest. Où est-ce que j'ai mis mes Old Forest? Ah, ici. J'espère que je l'ai mis là. Ouais, je l'ai mis là. Non, j'ai pas mis là. Là, c'est la version saga. Alors, attendez. Excusez-moi, hein, mais bon.
Mais j'ai un truc qui me gratte dans le dos. Ça va être le pull, j'en sais rien. Là, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'email perso. Enfin, j'ai deux emails, sont tous les deux perso, mais je veux dire qu'il y en a un, c'est l'atelier de Didit, et l'autre, c'est mon compte avec mon nom. Voilà, pour tout ce qui est administratif, tout ça. Alors, j'ai mis Geneviève. Je t'ai perdu. Bon, alors. J'ai perdu Geneviève. Ah, oh, c'est pas vrai. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis bête. Je vais directement sur le forêt, ça ira plus vite. Oui, donc on va se commencer une broderie. Alors, normalement, on devrait la commencer ce mois-ci. J'attends la confirmation de Letty. Si tu passes par là, donne-moi la date de début pour que je le sache. moi, tout est prêt, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ça va? C'était bon? Tu avais un petit creux? Un petit creux. Oui, il y avait un petit creux. Alors, il est où? Il y a de plus en plus de mal, voilà. Il y a de plus en plus de modèles sur All Forest. Voilà, ça y est, j'y suis. C'est celui-là, le Star Dragon. Donc, on va commencer celui-là. Alors, je crois, alors il y a Letty, mais je crois qu'il y en a d'autres qui vont le commencer aussi. Par contre, je ne sais pas qui exactement. Il faudrait que je redemande. Donc voilà, là, celui-là, bah, c'est pareil. Normalement, on commence ce mois-ci. Ouais, un plus, hein, donc deux de plus. Et je vais aussi. Oui, je sais, je suis folle. Je suis zinzin. C'est pas de ma faute, hein, c'est. On regarde les chaînes YouTube. On regarde les copines, est-ce qu'elles brodent? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un fantôme? Des fois, je me demande si elle voit pas des fantômes. Elle cherche, elle renifle au mur, elle regarde bizarre. Il doit y avoir des fantômes dans la maison, c'est pas possible. Alors, Etsy, Etsy, Etsy. Non, pas celui-là. On y arrive. J'y arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà, j'y suis. Hop. Voilà. Je commence. Alors ça, je le commence toute seule. Mais en sachant qu'il y a Sandrine de la chaîne Les Aiguilles de Sandrine, c'est de sa faute à elle. Faut bien trouver un coupable, hein. C'est de sa faute à elle si je vais commencer cette broderie. Voilà. Donc c'est le cœur aquarelle. Il est trop beau. Il y a plein de points arrière. Ça va être la fête. Mais j'ai vu le sien brodé sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Et ben, ah, je craque. J'ai craqué dessus, vraiment littéralement. Donc, c'est un modèle de Miastiche. Voilà, sur Etsy. Ouais, c'est ça, Miastiche. Et ben celui-là,
Pareil, hein, j'ai envie de le commencer. Et hop, allez, viens là, toi. Mais j'ai aussi envie. Alors, pareil, c'est de la faute. Alors là, c'est une. Comment? Une fille qui. Enfin, une brodeuse qui est abonnée dans mon groupe sur Facebook. Et elle a brodé le modèle que je vais vous montrer. Oh! C'est trop beau! Alors elle n'a pas brodé l'alphabet, ce qui fait qu'elle a remonté la broderie, hein, la partie alphabet, elle l'a pas brodée, mais elle a rebrodé un papillon à la place. Alors, oh là 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 là. Alors dans la couleur, je sais pas quelle couleur je peux vous montrer pour que. Bon, je vais d'abord vous montrer celle-là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Plein de papillons. Moi qui aime les papillons. Puis on n'en voit plus assez dehors. C'est dommage. Là, regardez. Là, il est fait en turquoise. Là, il est fait en rose. Là. Noir sur blanc, il est trop bon. Bon, pour l'instant, je l'ai mis dans le panier. Je l'ai mis dans le panier. Puis on verra. On verra. Mais voilà, c'est un modèle qui fait 48 cm. Oh, excusez-moi. 48 cm sur 52. Bon, j'ai arrondi, hein. Mais il est trop trop beau. Si je serais pour le faire, je sais pas, mais bon, si je ferais peut-être l'alphabet. Moi, ça me dérange pas trop l'alphabet. Ça dépend comment il est fait, mais là, il est joli. Voyez, je vous montre. En plus grand, vous voyez, il est vraiment joli là, l'alphabet, donc je sais pas, mais bon, pour l'instant, je l'ai pas encore acheté. C'est dans le panier. Voilà, mais Etsy, c'est pareil, il faut pas regarder Etsy. Là, regardez, je bouge. Oui, non, il faut pas, faut pas, arrête de regarder, Edith. Oh, ça c'est ça, non, j'aime pas. Oh. Ah non, c'est pas une broderie, ça va. Ah, oh, par contre, l'image rigolote. Regardez-moi ça, un squelette qui tricote. Ah. Mince, je vais le remettre. Est-ce que j'arrive à l'enregistrer? Faut que je me l'enregistre celle-là. Hop là. Voilà. Ouais, non, Etsy, c'est une horreur. Hein. Enfin, c'est une horreur. Façon de parler. Je veux dire, il faut pas. Dites-moi de lâcher là. Dites-moi d'enlever mon doigt. Il faut que j'enlève mon doigt. Ouais, non, non, on peut pas. Oh là 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 là. Bon, allez, on ferme. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, j'ai choisi, enfin j'ai choisi, la roue a choisi pour moi de faire le tigre de l'UKS, ma confiture. Donc la confiture, c'est à finir, donc j'espère. Non, si je l'aurais fini là, faut pas exagérer quand même. Ma maison météo, donc rattraper mon retard. Mes ours de Noël, donc ça, c'est je vais le terminer. Je vais essayer de le terminer demain, dimanche.
mes paons royaux, mon lapdog sans pleurs, mon Caroline Manning, donc pareil, j'aimerais bien qu'il soit que je termine. Mon Fox, bon, le Fox ne sera pas terminé cette semaine, il y a encore un petit peu de boulot dessus quand même. Ma Steampunk, donc la Steampunk, elle n'est pas prête d'être terminée, hein, puisque c'est style HAED, mais c'est pas un HAED, mais c'est le même style. C'est une couverture complète et c'est très grand. Le Nouvel An, donc là, rattraper un peu le retard. Hein, on va rattraper le retard. Je sais pas ce qu'elle. Je vous dis, elle doit avoir des fantômes. Il y a les animaux, voient les fantômes. Il rigolait pas, je crois, aux fantômes. Donc, pour ça que je regarde les émissions sur les fantômes. J'y crois parce que j'ai eu une expérience. Voilà. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai, mais voilà. Donc, je disais le Fox, ma Steampunk, le Nouvel An, le hibou d'une de mes abonnées qu'elle m'a offert. Et mon lilipoint, donc ça c'est mon duo. Donc le duo, il y a la confiture, le lilipoint. J'ai oublié d'en marquer un. Mais oui, il faut que je rajoute. Le sampler 124 avec Sonia. Si je l'oublie, voilà. Hop, donc un de plus. Et du coup, il y aura le hibou du savoir. Voilà. Et après, donc le cœur aquarelle, mais ça, comme c'est moi tout seul, je le commence quand je veux. Et il y aura le Star Dragon. Voilà. Donc ça, c'est en duo. En duo, en trio, en quattro, je ne sais pas combien on est pour le faire. Mais officiellement, je le commence avec Letty. Voilà, donc du coup, j'étais partie sur 10, 12. Et là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peut-être 16. la nuit, non, je ne brode pas. Oui, vous allez dire que j'exagère, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On va parler tout de suite, avant qu'il n'y ait plus de batterie, pareil, des vidéos que j'ai regardées cette semaine. Voilà. Le temps que ça s'ouvre. Comme ça, bah, ça vous donne des idées. Et s'il y a des... Pourquoi je ferme la page? Et s'il y a des chaînes que vous ne connaissez pas, ça vous permet d'aller les découvrir et vous y abonner si vous aimez. Alors, là, voilà. Historique, il est où mon historique? Il est là. Alors, tuc. Non. Oh là 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 là. Alors, tuc, 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 tuc. Voilà, c'est là que je commence. Ouais, c'est là. Alors, j'ai regardé la vidéo de Sonia Diamant Rose qui présentait le livre de suivi de point de croix qui a été créé par Diamant Folie, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai regardé sa présentation également. Donc, si vous ne connaissez pas Diamant Rose, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. J'ai regardé le fil de Saria.
Alors, je la regarde de temps en temps. J'aime bien comment elle est. Là, dans sa vidéo, alors je ne sais plus le nom de la formation, mais elle parle qu'elle a acheté une formation pour apprendre la broderie traditionnelle. Donc, elle a des cours, enfin des vidéos, puis des choses pour elle, des supports, voilà, chercher des supports pour elle apprendre à broder en traditionnel. Et ben, elle est super enthousiaste de faire ça. Et puis, vraiment, ce qu'elle a déjà commencé à broder, c'est vraiment top. Si ça vous intéresse, ben, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Et peut-être pas seulement pour ça, mais voir, découvrir sa chaîne, ses flosstubes, ses broderies. Elle fait des points de croix, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Ensuite, j'ai regardé Pascal, donc la chaîne Les Passions de Passy, qui a fait une méga commande sur All Forest. Et puis, je ne sais plus sur quel autre site, mais vous le découvrirez en regardant sa vidéo. Mais chez All Forest, elle a commandé des fils. Mais j'ai chaque fois, moi j'hésite, enfin j'hésite, non, c'est pas que j'hésite à acheter parce que j'ai pas confiance, c'est pas ça. Comment je peux vous dire? J'ai envie d'acheter des fils All Forest, mais bon, je sais que les frais de port sont très chers. Voilà, mais bon, elle habite au Québec, donc peut-être que moi, en étant en Europe comme eux, puisqu'eux sont en Russie, All Forest, j'aurais des frais de port peut-être un peu moins élevés. Je sais pas, il faut que je regarde, mais j'ai bien envie de m'acheter un modèle et d'acheter des fils All Forest au moins une fois pour les essayer. Voilà, et du coup, là dans sa vidéo, c'est une vidéo haul. Elle montre donc sa commande qui est arrivée donc de Russie et son autre commande qui est arrivée d'Ukraine. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, non, celle-là, je vous en parle après. Oui, j'ai regardé la vidéo de l'eau demoiselle. Je vous en avais parlé la semaine dernière que j'allais regarder sa vidéo. Je la regarde régulièrement, hein, toutes les semaines. Je regarde au moins je regarde sa vidéo du dimanche. Et là, donc elle montre, elle ne fait que du tricot. Hein. Elle montre ses tricots. J'adore ce qu'elle fait. Oh, si je pouvais faire au moins le dixième de ce qu'elle fait, je serais heureuse. Elle ne fait que du circulaire. Hein. Et là, elle a en plus tricoté une poule. Son fils lui avait demandé de lui tricoter une poule. Et du coup, j'ai regardé les deux épisodes, l'épisode 133 et l'épisode 134. Donc dans le premier, bon, en plus de ses tricots, elle montre la poule qui est déjà commencé d'être tricotée. Et dans le deuxième épisode, elle montre la poule terminée. Mais oh, elle est trop belle. J'adore. Elle l'est faite au tricot, mais j'adore la poule qu'elle a faite. Donc la poule s'appelle la poule moute d'Axel. Voilà, la poule moute d'Axel. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et même la personne, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très douce, très sympa. Elle explique bien tout ce qu'elle fait et tout. J'aime beaucoup. Donc, si vous la connaissez pas, pareil, n'hésitez pas à aller voir. J'ai regardé également Alors, j'ai pas fini de regarder la vidéo, par contre. Je finirai demain. La vidéo de Miss Manu au naturel, donc pareil, elle montre aussi ses tricots, ses achats, etc.
J'aime vraiment beaucoup, j'aime son dynamisme et j'adore son chat, enfin ses chats parce qu'elle en a deux. Non, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, elle, si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Alors là, je ne l'ai pas encore regardé parce que je n'ai pas eu le temps. C'est Armel. Ouais, Armel, hein, oui. Bisous. Elle a créé sa chaîne ben, aujourd'hui. Voilà, si je ne me trompe pas, elle l'a créée aujourd'hui. Alors, attendez, je vais dessus. Par contre, je n'ai pas eu le temps de regarder la vidéo aujourd'hui, mais je vais la regarder demain, c'est sûr. Elle a fait sa première vidéo, donc là, sa présentation et l'avancée de ses points de croix. Oui, elle a créé aujourd'hui, c'est ça. Pareil, donc ça s'appelle Les passions créatives de Mamounette. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette toute première vidéo, hein. C'est vraiment un tout nouveau bébé YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y aura d'autres vidéos sur sa chaîne, hein. Ça j'en suis sûre. À quel rythme, ça je ne sais pas encore, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Du coup, pour l'instant, je vous dis, c'est tout petit, petit, petit. Elle ne demande qu'à grandir. Et voilà. Donc là, c'est une chaîne qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller la découvrir, à découvrir sa première vidéo et surtout de vous y abonner si vous avez aimé. Voilà. Bah niveau vidéo, ouais, j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. J'ai regardé également une autre vidéo de Diamant Rose. Et je vous explique pourquoi j'ai regardé cette vidéo-là. Elle a fait une vidéo. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'elle l'a fait. Attends, ferme-toi, toi. Voilà. Il y a 7 jours, donc il y a une semaine, elle a fait une vidéo explicative, donc un tuto pour le logiciel Crostitch Saga. Donc Crostitch Saga, c'est un peu comme Pattern Keeper, vous mettez des grilles de broderie dedans, mais à part que Crostitch Saga, c'est beaucoup plus complet, je trouve. Et lorsque vous avez des grilles qui ne passent pas sur Pattern Keeper, si elles ont été enregistrées pour la version Saga, bon, je ne saurais pas vous expliquer tout en détail parce que moi, justement, j'allais vous dire dans mes achats, j'ai pris cette semaine le logiciel Crostitch Saga. Parce que bah, j'ai des grilles qui ne passent pas sur Pattern Keeper, mais qui passent sur Saga. J'ai acheté, alors, c'est pas cher, hein, c'est 13 euros et des brouettes, bon, on va dire 14, mais c'est comme Pattern Keeper, vous payez une fois, c'est fini, c'est une fois à vie. Donc, vous allez payer 13 euros et puis c'est terminé, vous ne paierez plus jamais. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Donc c'est le tutoriel Crostitch Saga. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez avoir plus d'explications, moi je ne vais pas vous faire un tuto pour l'instant. De toute façon, Sonia vient d'en faire un qui est quand même assez complet. Et moi, je viens juste d'avoir le logiciel, donc je n'ai pas encore la main sur tout. Donc, pour vous expliquer, c'est un peu plus compliqué pour moi pour l'instant. Donc, si vous êtes intéressé par, je vous dis, ce logiciel, ou si vous voulez connaître ce logiciel de lecture de grille de broderie, et c'est pareil, hein, on compte nos points, c'est comme Pattern Keeper, sauf que sur Saga, vous allez pouvoir avoir les points arrière, les points de nœuds,
les perles, si vous brodez des perles, les points de croix, les petits points, les points spéciaux, voilà. Ça, il n'y a pas sur Pattern Keeper. Là, par contre, il est vraiment complet, je trouve. Et bon, toutes les grilles de broderie ne vont pas non plus dessus. Donc, l'idéal, bah, c'est comme moi j'ai les deux, Pattern Keeper et Saga maintenant. Et du coup, je suis, pour ainsi dire, à peu près tranquille parce que bon, il y a toujours quand même des grilles qui ne rentreront ni sur l'un ni sur l'autre, malheureusement. Mais là, au moins, on va dire à 80%, 90%, je suis sûre de pouvoir de lire. Mais, oui, une seconde. Oh! Je suis sûre d'avoir au moins un des deux logiciels qui lira mes grilles de broderie. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc, du coup, je vous invite à découvrir sa chaîne, le tuto, donc Cross-Stitch Saga de Diamant Rose. Je vous dis, je vous mets le lien en barre d'infos. Bah, niveau vidéo, bah, c'est tout ce que j'ai regardé. Ouais, après, c'est des petits tutos que moi j'ai regardé, mais pour moi, pour le crochet, voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai regardé cette semaine. Par contre, je vous invite, si vous n'avez pas encore été là, voir ma vidéo à moi, Salle de l'automne, poussière d'étoiles, donc organisée par moi-même. On commence, alors ça va commencer fin octobre, mais je vous en parle hein, de toute façon dans cette vidéo-là. Il y a un nouveau salle qui commence avec une création de Sabine, donc de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo, une ou deux avant, où je vous explique tout. Et en même temps, il y a, sous la barre d'infos, il y a le lien pour s'inscrire sur le groupe Facebook. C'est un tout nouveau groupe que moi et Sabine nous avons ouvert, spécifique pour le salle. Voilà. Donc je vous invite également à aller voir cette vidéo. Et j'ai mis une vidéo aujourd'hui, oui, avec les comment? Les photos de mes cartonnages. Alors, toutes les photos n'y sont pas. Parce que vous avez été plusieurs à me le demander, cette vidéo. Toutes les photos ne sont pas dessus encore parce que je continue à chercher des photos. Là, j'en ai un peu partout. J'en ai sur des clés USB, j'en ai sur le disque dur, j'en ai dans l'ordinateur, j'en ai dans mon drive. Donc, il faut que je fouille, je fouille, je fouille. Donc, vous aurez très certainement une autre vidéo. Quand je sais pas, bien sûr, mais vous aurez très certainement une autre vidéo pour vous montrer la suite de mon cartonnage. Voilà. Si vous avez envie que je vous montre des choses comme ça, bah, par exemple ce que j'ai fait en carterie, ce que j'ai fait en fimo, parce que c'est pareil, j'ai énormément fait de choses avec ça, en scrap, voilà. N'hésitez pas, ça ne me dérange pas de vous faire des vidéos là-dessus, des vidéos diapos pour vous montrer ce que j'ai pu faire avant. Voilà. Si, il y a une vidéo que j'ai regardée. Je sais plus où elle est. Alors, allez. Tout, 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 tout. Maïwenn. Je cherche le... Voilà. Ben pareil, j'ai regardé une de ses vidéos où elle expliquait aussi pour Cross-Stitch Saga. Mais sa vidéo, elle datait il y a un an. Mais j'ai regardé donc sa vidéo aussi. Donc sa chaîne, c'est About Maïwenn. Et j'ai regardé également. Hop. Voilà. J'ai regardé également son rendez-vous du lundi
Donc c'était le numéro 35 où elle montre pareil des broderies, mais elle fait un tag dedans. Voilà. Ben, j'aime bien les tags aussi, j'aime bien entendre les réponses sur les tags, c'est pas mal. Alors par contre, Maïwenn, tu ne m'en voudras pas, j'ai pas encore eu le temps de regarder ton direct. Le replay de ton direct, mais je pense que je regarderai cette semaine, ne t'inquiète pas. Voilà, ben là j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Et donc voilà, ça c'est mon cross-stitch saga. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que moi, je vous dis, je n'ai pas encore vraiment la main dessus. Mais voilà, un exemple. Pour le cœur aquarelle, je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points arrière. Et donc là, vous pouvez voir que l'on voit, voyez, tous les points arrière, on les voit. Vous voyez, j'ai pas encore l'habitude. Voilà. Et bon, je vais prendre la main dessus. Voilà. Donc là, tous les points arrière se mettent. Il y a vraiment tout. Mais bon, là, moi, je peux pas vous. Je vais pas prendre la décision de vous expliquer le logiciel pour l'instant. Je ne l'ai pas encore en main. Mais voilà. Donc là, celui-là. Là, pour l'instant, il va me servir pour mon cœur aquarelle et également pour... Alors, attendez, je le remets en plus petit. Je n'ai pas encore trop l'habitude. Hein. Non, c'est pas ça. Ah! Bon, c'est pas grave. Et là, c'est mon Star Dragon. Voilà. Donc, il rentrait pas sur Pattern Keeper, celui-là. Donc là, du coup, je suis contente que je l'ai là-dessus. Ben, je crois que là, niveau broderie, niveau vidéo, la roue, tout ça, ben, je vous ai tout dit. On va... Alors, je vais juste me faire une pause. Il est quelle heure? 23h. Et on est... Oh! 1h48. J'avais dit que je ne ferais pas 2h. Mais si, on va dépasser les 2h. Je me fais juste une pause de 2 minutes pour moi parce que j'ai soif. Et pour vous, c'est tout de suite. Je reviens et on parle tricot et crochet. À tout de suite. Voilà, je suis là. J'ai juste oublié de vous dire deux choses, enfin une chose, dans les achats, je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui parce que je n'ai pas tout reçu. J'ai reçu une partie aujourd'hui, j'ai fait une commande sur la maison du canevas et j'ai fait une commande sur Univers Broderie. Univers Broderie, je l'aurai lundi, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer les deux. Mais dans Univers Broderie, il y a un cadeau d'une de mes abonnées qu'elle m'a fait. Donc, je vous montrerai en même temps. C'est un cadeau pour mon anniversaire, mais comme elle a dit, il sera en avance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, je suis contente. Encore un grand merci à toi. Donc, je vous montrerai ces achats donc lundi ou mardi, plutôt mardi, je pense, pour bah, vous montrer ce que j'ai pris. Voilà. Alors, niveau tricot et crochet, j'ai fini quelque chose. Alors, vous avez peut-être vu les photos que j'avais mis sur Insta, sur mon Facebook. J'ai fini le châle. Voilà. Il est terminé. Alors, je n'ai pas encore rentré les fils. Hein. Mais ça, c'est pas grave parce que je vais d'abord le laver et le bloquer pour qu'il soit bien, bah, qu'il soit plus beau. Enfin, il est beau, hein, là, mais
Je vais bloquer. Alors, il fait 1,40 m de large. Voilà. Et en hauteur, au niveau de la pointe, il fait 70 cm. Alors, j'aurais pu crocheter encore un peu plus parce qu'il me reste des pelotes, mais je l'aurais trouvé trop lourd. Là, il est bien. Là, il est bien. Il est tout doux. Mais j'ai choisi de ne pas faire les 10 pelotes parce que ça aurait été beaucoup trop. Là, il m'en reste 2,5. Ouais. Vous allez me dire, tu aurais pu finir la demi-pelote. Ouais. Mais bon. J'ai préféré rester comme ça. Mais du coup, il est fini, fini. Donc, quand j'aurai lavé et bloqué, je rentrerai les fils. Là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais ouais, alors, je vous remonte le point. C'est un point super simple, hein. C'est que des brides. Voilà. Et donc, c'est 3 brides à chaque fois ensemble. Donc, y a rien de plus simple. Mais voilà. Alors, bon, j'avais fait des photos. Mais là, comme il n'est pas bloqué, voilà, vous voyez. Quand il sera bloqué, il sera un peu mieux. Voilà. Oui. Bon, après, je peux le mettre sur les épaules, je peux le mettre comme je veux. Mais voilà. Je suis contente, je l'ai terminé. Alors, même à la maison, quand il va faire froid, comme les petites mémés. Mais non, j'aime bien. Je l'aime bien. Donc, je suis contente, je l'ai terminé. Alors, je vais faire le laver dans la semaine avec ma. Alors, je ne sais plus le nom de du produit pour le laver. C'est un savon exprès pour qu'on se sert pour les blocages de pulls, de tout ça. J'avais pris sur Obi. Ouais, je l'ai pris chez Obi, mais je ne saurais plus vous dire le nom. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai fini. Trop contente. Donc après, bon, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine d'après, je commencerai mon deuxième châle. Et donc le deuxième, je vous remontre avec quelle pelote je veux le faire. Donc, c'est avec, hop, on va vous les mettre à l'endroit, ce sera mieux, avec ces deux pelotes-là, voilà. Donc là, une multicolore. Là, c'est une rose, mais avec du brillant dedans. Ce sont des pelotes de chez Action. Voilà, là, c'est tout simple. Par contre, c'est des pelotes... Pas vrai, j'ai... Je vous dis, j'ai des puces aujourd'hui. Ce sont des pelotes qui se crochettent en 1,75 ou 2. Moi, je vais voir, je vais peut-être faire encore une taille au-dessus, peut-être en 2,5, pour qu'ils soient beaucoup plus aérés. Je verrai. Mais vous voyez, le fil est quand même... attendez que je vous montre. Sans démonter ma pelote. Voilà, vous voyez. Le fil est assez fin. Il est beaucoup plus fin que celui que je viens de faire. Alors, j'ai 2 pelotes de chaque. J'espère que j'aurai assez. Parce que, en plus, celle-là, il la font plus chez Action pour l'instant. Donc, j'espère que j'aurai assez. Mais je pense, hein, parce que c'est des pelotes de 125 grammes et elles font 415 mètres. Donc, ça me fait 125, 250. Bon, j'ai 500 grammes de laine pour un châle. Je pense que c'est bon. Voilà. Et les deux couleurs sont très jolies.
Donc, quand ce sera fait, enfin, quand ce sera fait, quand je le commencerai, vous le verrez également. Mais je pense pas que je commencerai cette semaine. Ce sera plutôt la semaine prochaine que j'attaquerai. Là, je suis en train de chercher le modèle. On m'en a donné plusieurs parce que je cherchais les modèles gratuits. Je verrai. Ça n'aura rien à voir avec celui que j'ai fait, qui est un modèle tout simple. Là, ce sera plus châle, un peu plus dentelle, je pense. Voilà. Comme le fil est fin, c'est pour ça qu'il faut que je fasse quelque chose de plus vaporeux, de plus aérien. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, alors bon, c'est pas bien de laisser ces aiguilles comme ça, mais je l'avais commencé tout à l'heure avant de souper. Et puis après, j'ai commencé la vidéo, tout ça, du coup, j'ai pas pu finir. Mais c'est mes manches, voilà, les manches de mon pull, vous savez, avec le plastron à trou-trou. Donc voilà où j'en suis sur mes manches. J'ai fait 14 rangs pour les côtes et là je suis à 10. Donc en tout il y a 24 rangs de fait. Voilà. Mais là maintenant bon c'est les manches donc ça va tout seul, hein, ça monte tout seul. Il y a quelques augmentations à faire. Voilà. Donc moi je tricote les deux manches en même temps, vous voyez. Comme ça, les augmentations sont au même endroit. Quand il va y avoir des diminutions plus haut, elles seront au même endroit. J'ai le même nombre de rangs de chaque côté. Je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà. Donc là, j'avais mis, mais c'est pas là que j'étais. Hein. Voilà. C'est juste, je l'avais mis au début, c'était pour savoir le devant du derrière, mais maintenant, je vais le remonter. Pour savoir la semaine prochaine ce que j'aurai tricoté. Donc voilà mes manches. Donc là, bien sûr, je tricote avec deux pelotes. Hein. Pas le choix. Et j'ai tricoté un peu mon pull duveteux de Bergère de France. Hop. Voilà. Alors, il grimpe bien. Je suis à 100, au centième rang. Voilà ce que j'ai fait. Alors, attendez, c'est quoi ça? J'ai fait des nœuds. J'ai fait des nœuds. Hop, voilà. Donc, voilà où j'en étais la fois dernière. Donc, il doit y avoir 10-12 rangs. 10-12 rangs, je crois, de fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça, 12 rangs. Voilà, et là je suis donc au centième rang. Mes emmanchures, attendez, j'avais mis un, j'ai pas mis mon progrès. Ah, si, il est là. Allez, viens là, montre à maman. Voilà, les emmanchures sont à partir d'ici. Il y a ces emmanchures droites, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Donc il fallait mettre un marqueur pour savoir où l'emmanchure allait être. Voilà. Donc là, ça est tout droit. Bon, il n'y a pas à chercher. Et donc celui-là, c'est avec la laine flocon de Bergère de France. Vous voyez, c'est très duveteux. Et c'est la couleur hussard. Voilà. Elle est vraiment pareil. Elle est super douce. Elle pique pas. Elle est très chouette. Le pull est super léger. Il est très aéré. Voilà. Non, là, vous ne verrez pas à travers, mais on voit un petit peu à travers. Enfin, une fois que je l'aurai sur moi, on ne verra pas. Je veux dire que s'il y a une lumière en travers, je le vois. Voilà. Mais je l'aime beaucoup aussi. Donc là, il y a déjà une bonne partie du dos hein, qui est faite. Et puis là, comme c'est tout droit,
n'y a pas de prise de tête. J'ai juste à compter mes rangs. Donc moi, je les compte avec mon compteur digital. Ça, j'adore. C'est trop top. Donc je le mets ici à mon doigt. Voilà, comme ça, comme une bague. Et je tricote. Et hop, j'appuie quand je fais un rang. Voilà. Ça, c'est vraiment le top. Moi, je me trompe pas. Donc là, je compte. Alors, l'autre jour, j'avais dit sur le groupe, c'est 28 rangs pour les augmentations. Mais non, je m'étais trompée dans la taille. Moi, c'est tous les 20 rangs. J'ai une augmentation. Donc là, je travaille sur 20 rangs sur mon compteur. Voilà, après, je sais où je suis par rapport à mes augmentations. Je coche juste mes augmentations, une, deux, trois, comme ça que j'ai fait le nombre d'augmentations dont j'avais besoin. Mais voilà, ouais, ça c'est tip top. Ça gêne pas en plus hein, pour tricoter, vous voyez, c'est vraiment comme une bague. Vous en trouvez un peu partout, hein. Vous en trouvez sur Bergère de France, Hobby aussi, ils en ont, mais sinon sur AliExpress, tout ça. Il y en a également, hein, mais voilà. Ça, c'est ce qui me reste. Parce que moi, quand j'avais une boutique, il y était un moment et j'en vendais et comme ça. Et donc, moi, il m'en reste 4-5, mais je les ai sur mes. Sur mes j'en prends un par ouvrage. Comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, je suis contente, ça avance. Alors, je n'ai pas travaillé sur mon pull Armel, par contre, pas eu le temps. Au bout d'un moment, bon, les journées sont pas à rallonge. Donc, le pull Armel, je n'ai pas travaillé dessus cette semaine. Je me rattraperai, comme je n'aurai pas de châle à faire, je vais me rattraper sur mes trois pulls, les avancer au maximum. Là, j'ai hâte, c'est que je voudrais avancer au maximum, c'est mes manches. Comme ça, là, je sais que le pull est fini. Une fois que les manches sont finies, ben, j'ai plus qu'à faire le montage. Un pull en moins. Hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et après, ben, celui-là, pareil, il avance assez vite. Donc là, enfin, je vais bientôt. Non, je ne suis pas bientôt à l'encolure, puisque. Il n'y a que ça d'emmanchure pour l'instant. Mais ouais, après, de toute façon, c'est une encolure ronde, c'est pareil. Il n'y a pas de. Alors moi, je l'ai rallongé, je vous l'avais dit. Hein. Je l'ai rallongé de combien? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai rallongé de 14 cm, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai rallongé de 14 parce qu'à la base c'est un pull court, mais court. J'ai rallongé et puis j'espère que ça suffira. Voilà, je regarderai. C'est vrai que j'ai pas calculé avec les emmanchures où je suis, mais attendez, l'emmanchure elle est où? Elle est là. Bon, on va dire que c'est là. Oh, si, c'est bon. Ça va aller, il sera assez long. Bon, il faut que le bidou y rentre. Hein. Une fois que le bidou y rentre, c'est que ça va. Voilà. Bah, écoutez, on a encore bien travaillé hein, cette semaine quand même, hein, malgré que je n'ai pas fait beaucoup de croix. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'avais fait des notes aujourd'hui pour pas oublier. Donc, ouais, je vous ai tout montré. On a fait la roue. Je vous ai parlé de mes projets, des achats, le châle, les tricots, les vidéos regardées et la roue. Donc, tout va bien. Je vous ai tout montré. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a dépassé les 2 heures. Bon, faites pas gaffe. Hein. En plus, c'est un vieux pull que j'ai en dessous. Je sais pas ce que j'ai dans mon oreille. Oh, une mouche qui est rentrée? Non. D'ailleurs, on n'a pas eu de mouche aujourd'hui. Il commence à en avoir moins. Il commence à faire froid. Donc, elle se casse.
tant mieux. Je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les chaînes que je vous ai parlé. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos dont je vous ai reparlé. Ouais. De toute façon, bon, je ne sais pas quand est-ce que je vous la ferai, mais je vous ferai une vidéo pour vous parler de l'actualité de mon groupe. Donc, les salles qui sont en cours, les salles qui vont commencer, les salles sur lesquelles on est encore en train de s'inscrire, le CAL, parce qu'il va y avoir un CAL. Donc, le CAL, c'est comme un SAL, mais en tricot. Donc, ce sera tricot ou crochet. On aura le choix, mais je vous en reparlerai. Aussi les choses qui arrivent en 2025. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo un peu topo pour tout ça, si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.